Yo les potes, c'est Lopé, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car on se retrouve sur un pack opening de colis Amazon. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter une petite chaîne que je viens de découvrir de critiques vraiment du luxe. Donc la chaîne s'appelle La Balette. Donc je vous la mets en description, vraiment. Allez le raid à mort les amis avec le hashtag Team Pingouin. Et c'est parti, on commence le pack opening. Donc pour ouvrir le colis, il va nous falloir un couteau que voici, hop. Donc nous allons passer directement, hop, comme ceci. Donc ce n'est pas du ouf, hein, bien évidemment, ce qu'il y a dans ce colis. Nous avons juste, attendez, la chaise qui me gêne, voilà, hop, un petit, enfin, des petites enceintes si vous en cherchez. Et aussi, hein, comme d'habitude, un truc qui ne sert à rien et un autre truc qui ne sert à rien. Voilà, hein, parce que nous, on aime acheter des trucs qui ne servent à rien, bien entendu. Alors, on commence par du papier, toujours, hein, la base. Vidéo opening, nous avons ici une ampoule, voilà, une ampoule connectée que j'ai acheté. Donc je la testerai, etc. Je vous dirai comment elle rend. Donc je crois que je l'ai pas payé cher cette fois-ci. Hop, voilà, donc il y a de quoi se connecter, etc. On va faire un petit déballage pour pas la casser, s'il vous plaît. Hein. C'est vrai qu'elle coûte un peu cher celle-là, hein, mais il y a une application. Hop, voilà, QR code. Je pense que bon, allez, voilà, hop. Je vous ferai un plan détaillé comment la monter juste après. Donc ceci, on va aller la jeter sur le lit, voilà. C'est parfait. Comment la casser? Donc ici, nous avons un petit répéteur Wi-Fi. Donc on va essayer de l'installer, etc. pour voir comment ça rend. Et donc, je vous en dis pas plus, on verra ça après. Et enfin, nous allons passer au principal de la vidéo, ces petites enceintes que voici. Alors, hop, c'est des enceintes de chez Satachi. Bon, Satatechi, voilà, hop. Donc c'est les petites enceintes que je trouverais pas chères, vraiment. C'est du Dual Sony Speaker Black. Donc vraiment, elles ont des LED, hein, bien évidemment. Donc j'ai craqué, hein. Il fallait. Donc je vais directement ouvrir le paquet. On dirait qu'elles ont pris un petit choc, mais ce n'est pas grave. Hop, on va les passer comme ça. Hop, on va l'ouvrir. Hop, hop, hop. Donc désolé si je suis un peu speed en ce moment, mais bon. Hop, c'est vraiment que je suis très content de reprendre les vidéos après un peu près 3-4 semaines d'absence, voilà. Au moment où la vidéo va sortir, hop. Donc voici la notice, hop, sympa. On s'en bat les couilles, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah oui, j'avais oublié qu'elles étaient directement branchées ensemble. Ça va être assez compliqué, mais c'est pas grave. Ok. Donc voici les petites enceintes, je vais enlever le papier bulle, etc. On se retrouve dans 2 minutes. Donc voilà, c'est parti. Hop, j'ai fini avec ce petit bout de papier qui était très chiant. Donc c'est parti, on va retirer le blister, attention. Il fallait bien que ça foire à un moment. Allez, on en jette un. Donc on va vérifier que s'il n'y en a pas d'autre. On va prendre l'autre petit morceau, d'ailleurs il en reste un morceau ici. Hop, voilà, attention. Vraiment, c'est ultra satisfaisant les amis. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons comme connectique sur ces petites enceintes de qualité, bien évidemment les amis. Hop, nous avons, alors, si tout ne tombe pas, nous avons un connecteur, comment on appelle ça déjà, USB et un jack. Donc c'est parti, je vais tout brancher. Donc voici, on va brancher comment elle rentre. Donc c'est parti directement, nous allons nous connecter, hop, au niveau de l'audio. Donc, ça doit être celle-ci, attendez 2 minutes, voilà, on va essayer. Donc on va mettre directement une vidéo de Paul Lavalette. Donc c'est parti, on va mettre celle-ci, hop, et on va voir le son que le font. Très bien, elles ne sont pas encore reconnues. Hop, on va juste vérifier car je ne sais pas du tout le nom qu'elles ont. Ça doit être eh bien je ne sais pas les amis. Heureux les amis, donc c'est bon, j'ai trouvé. En fait, ça venait juste que je l'aille brancher à mon corsaire porteur de casque, et du coup, il fallait que je le branche dessus. Mais bon, voilà. Alors, le son que je fais. Donc, normalement, il est pas à fond, bien entendu. On peut le monter, hop. Très brièvement, cette émission. Colda est une télé-réalité présentée par Denis Brogniard, connu et voilà. Reconnu par son légendaire. Ah, plusieurs équipes se retrouvent. Donc, ça sature un tout petit peu, mais en même temps, le son est à fond. Ces équipes s'affrontent durant les épreuves de force. Voilà, donc un très bon son, je trouve. Bon, après, j'en ai pas testé beaucoup des enceintes. Mais voilà, par rapport au petit boomer qui tremble comme pas possible et qui saute, celle-là est vraiment pas mal. Je vous la conseille. Donc, elles sont à 20 euros à peu près sur Amazon. Je vous mets tout ça en description. Et donc, nous, on se retrouve dans 2 minutes pour monter l'ampoule. 2000 years later.
Re les amis, donc c'est reparti. Donc c'est normal si vous voyez qu'il y a quelques changements au niveau du setup, etc. C'est parce qu'il y a 2-3 jours, on va dire, qui est passé depuis le premier unboxing. En fait, les amis, ce qui est arrivé, c'est que la lampe que je vous avais montrée et l'ampoule, voilà, ne fonctionnait pas. Impossible de la connecter au téléphone. Donc, eh bien, ça, c'était assez compliqué, on va dire, de vendre un produit qui ne marche pas. Donc, je l'ai renvoyé. Et j'en ai repris une pour encore moins cher. Donc je vous mets celle-là en description. Donc si jamais vous voulez quand même tester l'autre, je vous la mets aussi en description, hein. Mais bon, celle-ci est censée fonctionner vu qu'elle marche directement avec une télécommande et non pas avec le truc qu'on avait la dernière fois, c'était l'application, voilà. Donc on va directement commencer par l'unboxer. Donc je ne vois pas par où on va l'ouvrir. Donc voilà, on va complètement déchirer le carton. Voilà, hop, pas déchirer, hein. Façon de parler, hop. Voici, donc le couteau qui ne coupe pas, bien entendu, hein. Voilà, hop. Donc on doit repasser. Voilà. Donc cette fois-ci, ça se présente. Hop, encore, hein. voilà, hop, du papier. Et on se représente comme ceci, la LED. Donc cette fois-ci, vous voyez, il y a la petite télécommande vendue avec. Ce qui est plutôt pas mal, hop. Donc on va directement commencer par l'ouvrir. Je vais la brancher. Et je vous ferai une démonstration juste après. Donc voilà, hop, on pète ça, hop. Et ça ne sort toujours pas. C'est complètement fou. Donc on vérifie s'il n'y a pas d'accroche sur les côtés, les amis. Voilà, c'est bon, ça sort. Donc l'ampoule est déjà dans la meilleure packaging. Vous voyez, hop, elle flotte pas. Donc voici l'ampoule. Donc cette fois-ci, c'est de la marque. Attendez, hop, voilà. Il y a pas mal de trucs dedans. Voilà. Donc la petite télécommande. La petite notice pour nous dire remerciement, etc. Je crois, ouais, c'est ça. Hop. Avec le petit smiley à la fin. C'est stylé. Donc, ça, on a. Donc, c'est l'ampoule traditionnelle. Voilà. A few inches later. Ah, d'accord. Bon, ok. Hop. Et on a la petite télécommande. Donc, j'espère que ça ne sera pas une télécommande universelle. Sinon, je suis dans la merde au niveau de celle-ci, de celle-ci. Et attendez, j'en ai encore une des amis de télécommande. Voilà. Hop. Celle-ci, les amis. Un peu beaucoup trop de LED, on va dire, sur ce setup. Et après, j'en ai un autre, il faut l'allumer manuellement. Donc, ceci. Donc, on va prier pour que ça soit pas universel. Attention, les amis. On va appuyer. Il ne se passe rien. Ce n'est pas d'universel. Ouf. Donc on va directement vérifier au niveau des piles qu'est-ce que ça peut être. Moi je dis que ça va être de la plate. Voilà, on tire et on pousse les amis. Et c'est de la plate traditionnelle. Donc c'est parti, je vais brancher un poule. Donc voici comment elle rend. Donc facile à installer, c'est comme une poule basique. Mais le problème que j'ai remarqué, les amis, c'est que cette télécommande-là contrôle aussi les LED du bas. Regardez. Hop, si j'appuie là. C'est pas pratique, mais au moins elle contrôle le haut, ça c'est sûr. Mais elle contrôle aussi mes LED du bas. Bon, c'est à moitié bugué, mais heureusement, la télécommande des LED du bas ne contrôle pas l'ampoule en haut. Hop, mais elle contrôle bien le bas. Elle est censée contrôler le bas. Voilà, hop. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et à vous abonner. C'était LOLP, ciao ciao.